C'est une des meilleures entreprises en Belgique dans le domaine de l'aéronautique avec un produit en particulier qui est une partie de moteurs d'avion. Ils sont les meilleurs au monde dans ce segment. C'est un des fleurons des entreprises de Belgique. Et donc, il faut bien entendu aider les entreprises qui ne vont pas bien. Il faut aider les travailleurs, mais il faut mettre en exergue aussi cette Belgique, cette Wallonie, et en l'occurrence ici la région de Liège, qui marche et qui marche remarquablement à l'échelle du monde. C'est important d'avoir, comme aujourd'hui, la visite du Premier ministre, d'avoir la visite du ministre de l'économie de la région Wallonne. C'est une fierté pour nous d'avoir cette entreprise importante sur notre territoire et qui, au-delà d'elle-même, aussi génère de l'emploi et du travail pour d'autres entreprises plus petites, mais qui aussi peuvent ainsi se développer dans ce secteur porteur. Un chiffre d'affaires de 440 millions d'euros en 2012. C'est 1270 personnes qui travaillent à Liège et une petite centaine de personnes, un peu moins de 100 personnes qui travaillent aux États-Unis dans deux filiales que nous avons aux États-Unis. Nous sommes partie prenante au plan Marshall. Donc, comme vous le savez, le plan Marshall sont des projets de recherche qui se font en collaboration avec des PME et des universités. Et nous avons plusieurs projets à TechSpace que nous avons exposés à nos deux ministres. Alors, le pôle de compétitivité pour le spatial et aéronautique, c'est SkyWin. Je dirais, il va de soi. Ce pôle est aujourd'hui un pôle extrêmement important, qui est d'ailleurs interconnecté avec GreenWin, qui s'occupe des nouveaux matériaux, avec Mecatech, qui est le secteur des sciences de l'ingénieur. Ces trois pôles entre eux sont vraiment, je dirais, une force de frappe très importante pour la région et participent au développement économique. C'est aussi parce que le secteur aéronautique est un secteur en extrême croissance. On renouvelle la flotte d'avions pour avoir des avions qui consomment moins, qui polluent moins. Et d'autre part, on renouvelle aussi les avions parce qu'il y a une croissance du marché extrêmement importante. Pour TechSpace Aero, c'est très important de recevoir monsieur le Premier ministre et le ministre wallon de l'économie. C'est d'abord un honneur, c'est évident. C'est très bon pour notre personnel. On a vu du personnel qui sortait des bureaux pour voir passer les ministres. Nous avons des projets dans le plan Marshall. Ça permet à nos ministres de voir ce que l'on fait. Par ailleurs, et ça fait partie d'un des pôles de compétitivité, donc des pôles d'excellence du plan Marshall, et on voit ici concrètement que l'argent mis par le plan Marshall, par la région Wallonne, porte ses fruits.